un plat qui me parle. On est en pleine saison de la carotte. Donc on a décidé de travailler avec notre primeur sur des belles carottes fanes. Des carottes primeur qu'on a tournées en plusieurs façons. D'une brunoise de carottes marinée dans de l'huile de sésame. Ensuite, on vient mettre de la ricotta fumée dessus avec des pignons de pin et un mélange d'épices que j'affectionne particulièrement, qui est un mélange de trappeur et qui servait sur une de trappe pour conserver la viande. Ensuite, on a un voile de gyoza qui vient se poser dessus, qui lui aussi est légèrement huilé avec de l'huile de sésame noir. Et on vient poser là-dessus une sphère de pesto de fan de carottes. Comme ça, on utilise vraiment la carotte dans son intégralité. Et qui vient couler un peu comme un jaune d'œuf quand on coupe le plat pour vraiment avoir toutes les saveurs en même temps dans l'assiette. On a un vinaigre de fenouil sauvage mis en gel pour amener vraiment l'acidité au plat. Vraiment utiliser toute la carotte, on centrifuge toutes nos pertes. Pour avoir un jus de carotte, on vient le mélanger à un jus d'orange qu'on fait réduire et qu'on monte au beurre pour vraiment faire la sauce acide et gourmande. J'adore la grande cuisine française et j'ai quelques bases en cuisine japonaise. J'essaye de mélanger les deux univers assez régulièrement. Ce plat, il résume un peu mon style de cuisine, fusionner les goûts parce que bah, ça marche forcément toujours.